Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous venons de faire toute une série qui est centrée sur l'évaluation de fin d'année, en tout cas cet entretien de fin d'année qu'on peut avoir et qui est excessivement important. Il y a un sujet corollaire à cela qui me paraît tout aussi important et qui est centré d'ailleurs sur ce qu'on appelle le système de management. Il est d'ailleurs très au cœur du système de management, mais dont on a finalement dans les entreprises très peu conscience. En tout cas, les acteurs de l'entreprise ont très peu conscience de cela. Par contre, ils en souffrent énormément. J'ai eu des en formation dernièrement des membres du ministère des Eaux et Forêts. Ils étaient déjà en fin de carrière et ils m'ont dit comme ça en salle sous forme de boutade, mais enfin Monsieur Beaujean, c'est dommage, on aurait dû vous voir il y a 40 ans, notre carrière aurait été probablement moins pénible. Et je les crois très volontiers. Quel est le problème? Le problème, c'est que on nous fixe des objectifs et puis en gros, souvent, la réponse qu'on reçoit en face, c'est « débrouille-toi ». Et puis nous, on est occupé à dire « oui, mais on ne peut pas le faire ». C'est peut-être un constat, mais c'est beaucoup plus une opinion qu'un fait. D'accord? Parce que nous n'avons pas pris cette habitude, malheureusement, de dialoguer en nous basant sur des faits. Évidemment, quand je dialogue sur des opinions, j'y ai droit, mais je suis faible. Tandis que quand j'avance sur des faits, je suis fort. L'avantage de ce qu'on appelle l'adéquation charge-capacité, c'est qu'elle va nous permettre de pouvoir parler de ressources, en particulier de ressources humaines, de ressources de travail, et d'en parler de manière excessivement rationnelle. Ça fait d'ailleurs partie, disons, de tout ce côté rationnel qu'apportent les systèmes de management. Ça fait partie de la science du travail, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, quand on me fixe des objectifs, en tant que personne, cet objectif, on l'avait vu, est une ambition, mais en même temps, il répond aussi, en principe, à une production que je vais réaliser. Maintenant, quelles sont mes capacités à produire tout cela? Et ça, c'est véritablement la question. Donc, comment aborder ça? De manière classique, ma hiérarchie va dire, écoute, tu as été capable de faire, mettons, 100 dossiers cette année, donc je t'en mets 110 l'année prochaine. Ouais, mais comment je fais? Débrouille-toi, tu es assez grand, tu es capable, tu as acquis de l'expérience, tu peux le faire. Et en fait, on n'en sait absolument rien. Je veux dire, ça sort d'un chapeau, ça sort de nulle part. On a beaucoup de difficultés à pouvoir argumenter autour de cela. Donc, quelle serait une méthode différente pour pouvoir aborder la question? Eh bien, c'est assez simple, parce qu'en fait, ce sont des calculs absolument basiques, et ça peut tout à fait se faire. Nous verrons après ça comment nous pouvons en parler de manière stratégique, de façon à ce que ça puisse se faire efficacement. Mais restons d'abord dans la compréhension du principe. En fait, il y a deux choses qui doivent se rencontrer. En tout cas qui vont être comparés ensemble. D'une part, la charge de travail, c'est-à-dire la quantité de travail qui est à réaliser, et elle va être mesurée en temps homme. Et puis d'un autre côté, le temps que j'accorde à l'entreprise pour réaliser ce travail, c'est-à-dire le temps que j'ai vendu. C'est ce qu'on appelle une capacité de travail qui s'exprime aussi en temps homme. Et en fait, idéalement, il faut que ma capacité de travail soit supérieure ou égale à la charge de travail, d'accord? Si c'est l'inverse, ça veut dire qu'on me donne plus de travail que le temps que j'ai vendu, et donc ça devient très compliqué. Alors ça, c'est la version simple. Comment ça se calcule? C'est assez simple. Ça se calcule, c'est toujours un volume multiplié par un temps unitaire. Donc si c'est une charge de travail, admettons que ce soit des dossiers, c'est le nombre de dossiers multiplié par le temps pour faire un dossier, égal un temps homme pour cette charge de travail-là. À l'inverse, une capacité de travail, c'est aussi une multiplication. Alors, si on prend l'entreprise dans son ensemble, c'est le nombre de personnes qui sont engagées dans l'entreprise, mettons, multiplié par le temps de travail que chacun a accordé dans l'entreprise. Donc, c'est la somme de tous les temps, contractuels vendus à l'entreprise. Donc, on va devoir comparer ces deux choses-là. Alors, s'il s'agit de moi, évidemment, c'est le temps que moi j'ai vendu à l'entreprise. Je crois que vous avez pris cette main-là. C'est le temps que moi j'ai vendu à l'entreprise qu'on va devoir comparer à la charge de travail qui est celle que je vais devoir réaliser. Alors, le temps de travail que j'ai vendu, il est assez clair. Je veux dire, si j'ai vendu 8 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, durant 48 semaines, puisque j'ai 4 semaines ou 5 semaines de congé, donc 47 ou 48 semaines, eh bien, j'ai vendu un certain nombre d'heures de travail. Ça, je peux le calculer assez simplement. C'est ce que j'ai vendu par contrat. D'accord ? Reste après ça maintenant à définir quelle est la charge de travail. Alors on va prendre un exemple parce qu'il va nous permettre de mettre en place également une approche scientifique aussi par rapport au fait de décortiquer son propre travail. Imaginons des vendeurs.
Un vendeur, ben, en toute logique, est censé connaître ses ratios. Alors, c'est quoi ses ratios? Ben, c'est par exemple le nombre d'appels qu'il a besoin de réaliser pour obtenir un rendez-vous, le nombre de rendez-vous qu'il doit avoir pour pouvoir avoir la chance de tenir un rendez-vous. Ensuite, par rapport au nombre de rendez-vous qu'il est capable de tenir, le nombre de fois où on va lui permettre de dérouler tout son processus de vente, et puis le nombre de processus de vente déroulés qui débouche finalement sur une vente. Et enfin, dernière information dont il a besoin, c'est quelle est sa vente moyenne, donc quel est son chiffre d'affaires moyen sur une vente. À quoi ça sert tout ça? Et pourquoi doit-on l'avoir? Ben parce que chaque vendeur a des ratios qui sont différents. Il y a des choses que certains vendeurs font très bien, d'autres passent plus mal parce que parfois c'est juste dû à leur personne et ils n'y peuvent rien. Peut-être qu'ils ont une voix désagréable au téléphone, si bien que ça passe pas bien, et donc ils ont plus de difficultés à obtenir un rendez-vous que quelqu'un qui aura une voix peut-être très suave au téléphone. Et contre ça, on ne peut pas lutter parfois. Donc chacun a ses ratios d'efficacité, d'accord? Et il est important de les connaître. Si je fixe un objectif à mon vendeur, eh bien, que va-t-il faire? Il va prendre son objectif en termes de chiffre d'affaires, il va le diviser par son chiffre d'affaires moyen sur une vente, et donc il va définir grâce à ça le nombre de ventes qu'il a besoin de réaliser. Ensuite, il va appliquer son ratio du nombre d'entretiens de vente réalisés par rapport au nombre de ventes, et donc ça va définir le nombre d'entretiens de vente qu'il a besoin d'être en capacité de dérouler. Compte tenu de son ratio de nombre de rendez-vous honorés sur le nombre de fois où on lui a permis de dérouler son processus de vente, il connaîtra le nombre de rendez-vous honorés dont il a besoin. Compte tenu du nombre de rendez-vous non tenus, il connaîtra le nombre de rendez-vous qu'il a besoin de prendre au téléphone. Et compte tenu de son efficacité au téléphone, il saura le nombre d'appels qu'il a amené à devoir réaliser. Derrière, s'il veut calculer sa charge de travail, il a autant d'appels. Un appel, ça prend combien de temps? Entre le moment où il identifie son contact, le temps d'ouvrir sa fiche, de jeter un coup d'œil à la fiche de façon à comprendre quelle est la situation du client, savoir de quoi il va parler, composer le numéro, attendre que la personne décroche, avoir l'entretien téléphonique pour obtenir le rendez-vous, raccrocher, inscrire le rendez-vous dans son agenda, admettons que ça prenne 3 minutes pour dire quelque chose. Eh bien, il va prendre le nombre de rendez-vous qu'il a besoin de réaliser cette année pour obtenir son résultat, multiplié par ces 3 minutes, ça va lui donner un temps homme. Ensuite, il y aura le temps de trajet aller-retour en moyen entre ses bureaux et le client, d'accord? Donc, ça va lui représenter un temps de trajet qui est un temps de travail, en fait. Donc, il a autant de rendez-vous auxquels il doit se présenter, multiplié, mettons, par une demi-heure aller-retour. Ça lui fait autant d'heures hommes qui est consacré au trajet. Ensuite, si on lui permet de rentrer, donc à chaque fois qu'il est en capacité de dérouler son processus de vente, il sait que son processus de vente dure une demi-heure, multiplié par le nombre de processus de vente qu'il va faire, égale une certaine charge de travail. Et donc tout ça, une fois qu'il a fait ça, il est terminé parce que c'est juste la conclusion. Alors oui, s'il y a de l'administration derrière, l'administration de vente à faire, autant de ventes avec autant d'administration à faire pour le cas où c'est une vente, autant d'administration à faire quand ce n'est pas une vente parce qu'il faut quand même parfois renseigner le CRM de l'entreprise. Et donc il a ses charges de travail. Il suffit après ça d'additionner toutes ces charges de travail en les ramenant évidemment à la même unité, hein. Si on travaille en heure homme, ce sont des heures homme. Si on travaille en jour homme, ce sont des jours homme, peu importe. Et puis il va définir sa charge de travail. Sa charge de travail, on peut la comparer à sa capacité de travail. Et est-ce que sa capacité de travail, c'est-à-dire les heures qu'il a vendues, sont bien supérieures ou égales à la charge de travail qu'on lui a demandée? Alors, si ça devait être l'inverse, si sa charge de travail est supérieure à sa capacité de travail, c'est pas pour ça que la conversation s'arrête et c'est pas pour ça qu'on doit nécessairement lui en donner moins. Je veux dire, après ça, ce qu'ils ont besoin de pouvoir aborder, en tout cas ce qui a besoin d'être abordé dans le dialogue avec la hiérarchie, c'est justement d'explorer quelles sont les marges de manœuvre que nous avons. Certes, on pourrait retirer du travail, bien sûr, mais ça veut dire que toute chose reste égale par ailleurs. Maintenant, on peut aussi regarder quelles sont les marges de progrès sur lesquelles on peut travailler. Admettons que moi, mon processus de vente, je le déroule sur 30 minutes et tous mes collègues arrivent à le faire en 20 minutes, j'ai probablement une marge de progrès de 10 minutes sur mon processus de vente. Donc, on peut se fixer des objectifs par rapport à cela, mettre des moyens par rapport à ma montée en compétences au niveau du déroulement de mon entretien de vente. Surtout si c'est à résultats égaux, j'entends. Bon, maintenant, évidemment, si mes collègues ont moins de résultats, moins de transformations de leur
comment dire, de leur processus de vente. En vente, ça s'évalue différemment, mais admettons qu'on ait les mêmes performances, simplement, eux, ça leur prend 20 minutes, moi, ça me prend 30 minutes. Donc, il y a probablement une montée en compétences à faire. Donc, quels sont les moyens que l'entreprise va mettre pour que je monte en compétences? Et puis, moi, quels sont les efforts que je suis d'accord de consentir pour monter en compétences? Attention tout de même de ne pas prendre l'objectif final comme référence pour l'ensemble de l'année. En ce sens que si par exemple moi, je suis sur une demi-heure et que j'arrive à 20 minutes, ben, il est prévu peut-être que j'arrive à 20 minutes le 31 décembre. Et donc l'entretien moyen que je vais avoir durant toute l'année, ben, je dois calculer sur 25 minutes, qui va être la moyenne entre ben, tous les entretiens à 30 minutes que j'ai au début, les entretiens à 20 minutes que j'ai à la fin, et puis tous les temps qui vont aller en principe, si tout va bien, de manière dégressive vers les 20 minutes à travers l'année. Donc mon temps moyen, ma charge de travail moyenne cette année-ci sera calculée sur 25 minutes. Elle sera calculée sur 20 minutes à partir de l'année N plus 1, d'accord, à partir de janvier de l'année qui suivra, l'année où j'ai l'objectif d'arriver à 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, donc c'est une marge de progrès qu'on peut regarder. Derrière, c'est peut-être, on peut analyser aussi le travail sans valeur ajoutée qui m'est demandé, donc de voir comment on peut l'alléger ou éventuellement s'en passer, éviter les gestes inutiles, les déplacements inutiles. Je veux dire, il y a plein de choses, et ça c'est le lean management qui peut souvent nous inspirer. Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut travailler pour dire de regagner du temps sans nécessairement faire que les choses soient plus lourdes ou plus dures. Il y a peut-être un bout de processus qui fonctionne mal, qui a besoin d'être corrigé, etc. Donc ça, c'est la conversation qu'on peut avoir avec la hiérarchie, voir sur quoi on peut agir pour dire d'améliorer la situation. Et puis, s'il y en a encore trop, ben, il sera encore temps à ce moment-là, éventuellement, ben, d'alléger une partie de l'objectif parce que, oui, il est incompatible avec la capacité de travail, tout simplement. Et ce sera au chef à aller réclamer des moyens à la hauteur des objectifs qu'on lui a fixés à lui aussi en termes de réalisation. De réalisation de chiffre d'affaires, etc. Maintenant que vous avez compris tout ça, encore faut-il être capable d'en parler. C'est vrai que c'est quelque chose pour lequel beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes. Alors les entreprises industrielles, beaucoup plus, mais les entreprises de services, beaucoup moins, de ce que j'observe en tout cas. Et donc, il va falloir en parler avec intelligence. Alors, on a besoin de quoi ? Vous avez besoin d'avoir un temps qui est un temps unitaire, un temps de référence. Alors en général, quand une entreprise est organisée, elle utilise une norme. Alors une norme, c'est quoi ? Ben, moi, dans ma carrière, j'ai toujours utilisé ce que j'appelle la meilleure performance démontrée. C'est quoi ? Eh bien, c'est le travail reproductible par quelqu'un qui est fait dans le temps le plus court, mais qui en même temps est fait correctement, respectant les procédures, en délivrant ce qui est attendu, en quantité, en qualité, etc. On pourrait peut-être travailler plus vite, mais en transgressant le règlement ou en n'offrant pas la qualité, donc ça, c'est pas intéressant. Donc c'est vraiment le temps le plus court que quelqu'un est capable de tenir, et donc il fait la démonstration qu'il y a moyen de le faire dans ce temps-là, en faisant le travail correctement, en délivrant ce qu'on a besoin, etc. C'est ce qu'on appelle le temps, une norme, ou ce sera le temps de référence. Alors, dans le milieu industriel, il y a des hommes méthodes qui sont là pour le faire. D'ailleurs, ils sont formés. Dans certains pays, d'ailleurs, surtout si on utilise des chronomètres, seules des personnes qui sont calibrées peuvent l'utiliser. Mais bon, ce sont des cas, ce sont pas des cas particuliers, mais ce sont des cas spécifiques. En tout cas, dans la discussion que je vais avoir avec mon chef, donc j'ai besoin d'un temps de référence, et ça, en principe, souvent l'entreprise ne l'a pas. Et puis, j'ai besoin des volumes. Bon, les volumes sont assez incontestables, parce qu'ils sont là, je veux dire, on peut les constater. Les ratios, si je repars du phénomène de la vente, les ratios, ben, ce sont les miens, je veux dire, ils sont là, on peut les calculer, j'ai une base historique sur laquelle je peux travailler pour pouvoir les identifier. J'ai bien mon nombre de ventes, il est là, le chiffre d'affaires moyen, on peut le calculer. Le nombre d'entretiens que j'ai pu réaliser, ben, je l'ai dans mon agenda. Le nombre de rendez-vous que j'ai pris par rapport au nombre d'entretiens, je l'ai dans l'agenda aussi. Le temps que ça me prend pour pouvoir faire un entretien, ben, je peux commencer à le calculer et puis en faire une moyenne. Idem pour mes appels, je peux commencer à mesurer mes temps d'appel et puis faire une moyenne autour de tout ça, même une variance, etc., etc., etc. Donc, toutes ces données, je peux les avoir. Les données qui seront les plus simples et les moins contestables sont les données qui sont liées au volume. Celles qui seront les plus contestables, ou en tout cas les plus difficiles, sur lesquelles il sera peut-être plus difficile de s'entendre, ce sont les temps. Donc moi, je vous conseille de commencer par le temps. Parce qu'en fait, vous allez rentrer dans une démarche, et puis très vite, votre hiérarchie pourrait comprendre là où vous voulez en arriver.
et pourrait être tenté de vous contrer pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc l'idée, quelque part, c'est un petit peu de les piéger dans le calcul, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la première chose par laquelle je vais démarrer, c'est par le temps. Surtout si nous n'avons pas de normes par rapport à cela. Donc je peux très bien engager le dialogue en disant à ma hiérarchie, bah, tiens, passer un appel, c'est-à-dire entre le moment où j'ouvre le programme, je choisis la fiche de mon client, je la consulte pour avoir une idée de ce dont il s'agit, je compose l'appel, j'attends qu'il décroche, je discute avec lui pour obtenir le rendez-vous, je remercie, je raccroche, je note le rendez-vous dans mon agenda, ben, ça prend grosso modo 3 minutes. Il va me dire oui, ok, oui, je suis d'accord avec toi. Et quand il me dit ça, ben, quelque part, il entérine ce temps-là. Vous allez faire la même chose pour les différents temps. D'accord. Ensuite, vous allez sortir vos calculs par rapport à vos volumes. Ben voilà quels ont été mes volumes durant l'année, voilà mes ratios, etc., etc. Donc, compte tenu de l'objectif qui est celui que tu me demandes aujourd'hui, si ces ratios devaient rester les mêmes, ben voilà les volumes que je vais devoir réaliser dans chacune des activités, en toute logique. Oui, il ne peut pas dire non par rapport à ça, hein, c'est purement factuel, c'est démontrable, d'accord. Il dit, mais très bien, maintenant, j'applique le temps sur lequel on s'est entendu à chacune de ces activités, et donc voilà, pour chacune des activités, les charges de travail que ça représente. Et puis, mis bout à bout, ben, voilà la charge de travail globale qui est la mienne par rapport à ces activités-là. Et donc, vous pouvez faire ça pour toutes les activités qui sont les vôtres, ou rajouter les réunions, le cas échéant, etc. Dans l'année, on a autant de réunions, elles durent en moyenne autant de temps, etc. Donc, ce sont des temps de travail dont je dois tenir compte et qui viennent manger de mon temps de vente, par exemple. Et vous mettez tout ça. Et puis, à un moment donné, c'est simple, où, je veux dire, ces calculs sont inférieurs ou égaux à la capacité de travail, ou ils ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, ben, il y a un problème, tout simplement. Alors, on avait fait ça avec un client un jour, enfin, avec les collaborateurs d'un client, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient un problème. Et en fait, ils ont commencé à faire des calculs au tableau. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte, finalement, que leur charge de travail était de l'ordre de, on va dire, 900... Alors, je ne sais plus si c'était 900 jours hommes, je crois, hein, au niveau de l'équipe. Et qu'en fait, ils disposaient de 450 jours hommes. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, ben, les choses étaient beaucoup plus simples dans leur dialogue. Et ils pouvaient dire facilement à leur hiérarchie, écoutez, par la porte ou par la fenêtre, à moins que la mathématique n'ait changé aujourd'hui, 950 ne sera jamais égal à 450. On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et ça leur a permis de pouvoir rentrer alors dans le fait d'explorer toutes les marges de manœuvre possibles, tout ce qui pouvait être optimisé, les améliorations qui pouvaient être apportées, les montées en compétences qui avaient besoin d'être faites, peut-être aussi sortir des travaux qui étaient parfaitement inutiles ou sans valeur ajoutée, ou bien des travaux qui étaient mis en place pour des risques finalement qui étaient légers, qui n'étaient pas très, très handicapants pour l'entreprise, etc., etc. Parce que souvent, on vous demande aussi de faire des choses par rapport à la gestion du risque de l'entreprise. Donc, une gestion de risque, c'est une matrice qui est aussi en exponentielle. Et puis, il y a une limite au-dessus de laquelle l'entreprise considère qu'elle n'a pas envie de courir ce risque-là. Et donc, elle cherche à externaliser ce risque. Mais pour la partie qu'elle va gérer elle-même, elle va essayer de mettre en place plein de procédures, de pare-feu, etc., pour éviter de tomber dans les risques. Mais c'est très consommateur aussi. Ça a un coût. C'est un coût de processus, c'est un coût de travail, ça coûte quelque chose à l'entreprise, et parfois le coût est supérieur à ce que ça peut rapporter, ou en tout cas le risque que c'est censé couvrir. Donc ce sont des discussions qu'on peut véritablement avoir avec sa hiérarchie, et c'est comme ça qu'on peut trouver un chemin par rapport à ça. Donc voilà l'adéquation charge-capacité. Abordez-le avec gentillesse, bienveillance, respect, hein, patience, soyez didactique dans la façon de présenter les choses. Commencez par les temps, de façon à ce que la personne s'engage sur les temps. À partir du moment où elle est d'accord sur le temps, ben, ça devient une vérité d'entreprise. Les volumes, ben, sont une vérité d'entreprise, soit ils sont liés à vos objectifs, ou en tout cas ils sont liés à vos réalisations. Et donc, c'est incontestable. De toute façon, un volume, généralement, ben, il est présent au pied de la ligne, hein, au début du processus, hein. Si ce sont des dossiers, ben voilà, j'ai autant de mètres de dossiers ou autant de kilos de dossiers, donc à vous trouver les moyens de mesure pour travailler ces volumes-là, mais voilà, ça peut être numéraire, j'ai autant de dossiers compliqués, autant de dossiers simples, autant de dossiers moyens, un dossier compliqué c'est autant de temps, un dossier moyen c'est autant de temps, un dossier simple c'est autant de temps, et puis voilà, les volumes, viens les constater avec moi, regarde ce qui est rentré, hein. Et ça c'est très incontestable généralement, donc ça devient aussi une vérité d'entreprise ou d'organisation, donc une vérité d'entreprise multipliée par une vérité d'entreprise, ça donne ben, un résultat qui devient une vérité d'entreprise. Il est très difficile de sortir évidemment de cette réalité-là, à moins d'être de mauvaise foi. Derrière
Les capacités de travail sont une réalité d'entreprise aussi, puisque ce sont les contrats que vous avez signés les uns et les autres. Vous savez que vous avez signé pour autant d'heures, donc vous accordez autant d'heures de travail à l'entreprise, puisque nous vendons du temps de travail, hein, c'est la loi. Donc nous savons combien d'heures de travail nous avons vendues, auxquelles on retire ce à quoi on a droit, hein, nos congés payés, etc. On peut aussi retirer, pour ceux qui feraient des calculs plus précis, et s'ils le font non pas pour eux-mêmes, mais sur une équipe. Hein. Si c'est un manager qui fait ce travail pour identifier le niveau de ressources dont il a besoin dans son équipe, eh bien il doit aussi appliquer les taux d'absentéisme, qui sont aussi une vérité d'entreprise. Il y a des statistiques par rapport à ça dans l'entreprise. Alors soit elle le fait sur le taux actuel de l'entreprise ou sur l'ambition qu'a l'entreprise par rapport à ce taux. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai par exemple un taux d'absentéisme de 10%, j'ai l'ambition de cette année-ci de le ramener à 8%. Elle pourrait très bien travailler sur 8%, mais au moins, elle applique ce taux d'absentéisme également. Et puis, un taux d'improductivité, puisque tout le monde, évidemment, n'est pas au taquet de sa productivité. Il y a des objectifs, évidemment, pour monter les gens en compétences et puis qu'ils améliorent et qu'ils montent en productivité, mais ils ne sont pas tous au taquet. Donc, ils ne sont pas tous à la meilleure performance démontrée. Donc, il y a un taux d'improductivité qui peut être appliqué à ça aussi. Donc, en formation, si vous venez un jour en formation, nous reverrons tout ça dans le détail. Hein, on vous donnera le détail des calculs, surtout qu'à un moment donné, il y a une subtilité, hein, c'est pas des multiplications mais des divisions, et c'est une subtilité même au niveau des consultants, c'est pas toujours très simple, hein, ils hésitent beaucoup et souvent ils doivent s'y reprendre à maintes reprises pour retrouver la logique de ce calcul, mais derrière c'est un calcul qui peut se faire avec une démarche très rationnelle et qui vous permet d'être excessivement performant demain et soulagé, et vous soulagez tous finalement d'un poids que vous avez souvent sur les épaules et dont vous ne savez pas vous débarrasser parce que vous n'avez pas les clés qui vous permettent de le faire. Je termine avec une anecdote, c'est que souvent il m'est demandé de donner des formations en gestion du temps, parce que les gens ont des difficultés à gérer leur temps, que sais-je, etc. Et en fait, très souvent, je donne ces formations et puis les gens me disent « oui, mais bon, ça ne me sert à rien, je ne comprends pas, ce n'est pas très utile ». Et finalement, en grattant un peu, c'est parce que l'expression de besoin a mal été faite. En fait, les gens n'ont pas un problème de gestion du temps, les gens ont un problème d'adéquation charge-capacité. Et donc, quand il s'agit de gestion du temps, ben, on rejette quelque part la responsabilité de la situation sur les dos du collaborateur. C'est lui qui n'est pas capable de gérer efficacement son temps. Et en fait, le problème d'adéquation de charge-capacité, en principe, c'est quelque chose qui est sur les épaules de l'entreprise. C'est elle qui n'a pas fait son travail correctement. Et si elle l'a fait en n'étant pas de bonne foi. Donc, c'est sur elle que ça retombe. Et c'est vrai qu'on a souvent du mal à se voir comme une mauvaise personne ou comme étant responsable d'une situation. C'est pour ça que quand il s'agit de faire l'expression de besoin autour des formations, il est excessivement important de très très bien comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il faut un petit peu gratter et demander aux gens d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus factuel. Et c'est là où on arrive à distinguer, dans ce cas-ci, hein, mais dans les autres situations c'est vrai aussi, est-ce qu'il s'agit bien d'un problème de gestion du temps, est-ce que ce ne serait pas plus fondamentalement un problème d'adéquation charge-capacité. De l'expérience que j'en ai, et je conclue là-dessus, c'est souvent un problème d'adéquation charge-capacité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie qui puisse être améliorée en améliorant la gestion du temps de la part des collaborateurs, c'est certain, mais demander ça à ces collaborateurs alors qu'on n'a même pas une idée claire sur l'adéquation charge-capacité me paraît être un vice quelque part, comme on dit, un vice de procédure, hein, donc quelque chose qui est un dysfonctionnement qui a besoin d'être corrigé. Voilà, voilà. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, c'est en ce que ça se passe, toujours avec gentillesse, bienveillance et respect. Hein. Nous sommes tous occupés à nous développer, à apprendre des autres. Donc, il n'y a aucune raison à ce que tout ça ne se fasse pas, je veux dire, dans la bonne humeur, dans la gentillesse et dans le respect. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous voir très prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. À très bientôt.